Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains pays ont vu apparaître de nouvelles tensions avec des pays étrangers. Le meilleur exemple est les États-Unis et le Japon. Le Japon faisait partie des forces de l'Axe, tandis que les États-Unis étaient un pays neutre au début de la guerre. Le bilan de cette attaque surprise japonaise fut lourd. 2 403 Américains sont morts et 1 178 ont été blessés, alors que les Japonais, quant à eux, ont perdu seulement 55 aviateurs. Pour ce qui est des pertes matérielles, les États-Unis ont perdu 6 cuirassés, 5 autres navires et 216 avions au total. Cette attaque de la part du Japon a mis fin à la neutralité des États-Unis et, suite à cette date, est entrée officiellement en guerre du côté des Alliés. En plus, les tensions qui régnaient déjà entre ces deux pays ont franchi une limite qui sera dévastatrice pour le Japon. Afin de connaître la création de la bombe nucléaire qui détruira Hiroshima et Nagasaki en 1945, il faut remonter en 1939, en Allemagne. Un chercheur allemand nommé Otto Hahn a créé une bombe en bombardant le noyau d'un atome d'uranium avec des neutrons. Mais cette bombe était très défectueuse et était dure à contrôler. C'est pourquoi Albert Einstein en a avisé le président des États-Unis, qui à l'époque était Franklin Roosevelt, et lui a proposé de commencer les recherches, mais rien n'a abouti jusqu'en 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor. C'est alors qu'en août 1942, le projet Manhattan, étant le nom de code pour le projet de construction de la bombe nucléaire, vit le jour. Ce projet fut mené par les États-Unis avec la participation du Royaume-Uni et du Canada. Le projet Manhattan était dirigé par une modeste somme de personnes, mais après quelques années, finit par employer plus de 130 000 employés et coûta presque 2 milliards de dollars en 1945, et 90% des frais furent consacrés seulement à la construction des usines et la production des matériaux fissiles. Les bombes nucléaires étaient fabriquées dans une trentaine de sites qui étaient cachés et qui étaient aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada. Suite à ceci, deux modèles d'armes furent développés durant la guerre. Le premier type de bombe nucléaire était celui canon. C'était un bloc d'uranium qui était envoyé sur un autre bloc qui créait une réaction en chaîne qui faisait une grosse explosion. Le deuxième type de bombe était très semblable. Sauf que cette fois, c'était l'uranium-238 qui était ajouté à l'uranium-235. Créant ainsi le même effet que la bombe précédente. C'est alors qu'en 1945, grâce au travail acharné des scientifiques et autres travailleurs ayant participé à son développement, la bombe A, soit Little Man, est venue au monde. Elle était extrêmement létale, due à la radiation qu'elle pouvait dégager dans un très grand secteur après l'explosion de celle-ci. Sous le prétexte que cette bombe empêcherait un nouveau débarquement, cette fois-ci au Japon, qui creuserait encore plus le déficit monétaire de plusieurs pays, en plus de causer davantage de dégâts et de pertes humaines. C'est le 6 août 1945 que le président des États-Unis, Harry Truman, décida de lancer cette bombe sur Hiroshima. La mission de larguer Little Boy sur Hiroshima a été mise entre les mains du commandant Thomas Farabee et du pilote colonel Paul Tibbett, qui volait à 9 600 mètres au-dessus de la ville au moment de larguer de la bombe. Cette bombe a détruit presque l'entièreté de la ville qui comptait 340 000 habitants. Les morts sont évalués entre 90 000 et 166 000. Plusieurs scientifiques ayant participé à la création de cette bombe éprouvent aujourd'hui de nombreux remords car les dégâts ont été supérieurs à ce qu'ils s'y attendaient. Malgré cela, le 9 août, le président ordonne encore le largage de la seconde bombe Fat Man sur Nagasaki. Cette ville de 195 000 habitants a été détruite et une perte de 60 000 à 80 000 personnes a été évaluée. Le Japon a cédé et a signé le traité de paix le 2 septembre 1945, qui mit fin définitivement à la Seconde Guerre mondiale. Il faut aussi savoir
que les deux bombes ont eu d'autres conséquences, mis à part les pertes humaines. Puisque les 450 000 survivants ont aussi des souffrances physiques et psychologiques à cause de la force et la chaleur de l'explosion. Les radiations, quant à eux, provoquent d'innombrables symptômes comme la perte des cheveux, des cicatrices, la leucémie et des cancers. Aujourd'hui, il y a encore des risques de cancer chez les descendants des personnes qui ont été touchées par les deux bombes, puisque on remarque de plus en plus des maladies qui atteignent la moelle osseuse. L'impact qu'a eu ces deux bombes est tellement grand qu'il a fallu attendre jusqu'en 2015 avant que les villages aux alentours de Nagasaki et de Hiroshima soient de nouveau habités, puisque on dit qu'en 2015, les radiations étaient relativement basses et qu'il était possible d'y habiter à nouveau. En mi-juillet 2015, l'organisation écologiste Greenpeace a appelé le gouvernement japonais à reporter à la levée d'ordre d'évacuation qui rendait possible le retour des habitants autour de Fukushima, estimant, d'après des mesures effectuées sur le terrain, que la zone évacuée n'est toujours pas habitable au point de vue sanitaire. En résumé, Nagasaki et Hiroshima ont beaucoup d'effets sur le présent et ont causé énormément de dommages. Pour conclure cette vidéo, voici quelques images touchantes des effets qu'ont eu les deux bombes.